Salut à tous, j'espère que vous portez bien. Ouais, ça va, bienvenue sur Batman Fitness de la vérité. J'espère que tout le monde va bien. Ouais, ça va, ça va. On va parler, on va faire un petit résumé, ce qu'il peut y avoir les conséquences plus tard, avec les effets de stéroïdes anabolisants, ce qu'il peut vous arriver. Dans quelques années, vous avez le ACNE. Donc, vous avez de l'hyper qui sont stimulés par les androgènes, augmenter le niveau des hormones, l'épidémie, augmenter la production de l'huile, comme ça. Donc, vous pouvez commencer à choper des boutons au niveau le dos, sur les épaules et le visage. Et donc, vous allez voir, vous allez avoir une peau un peu moche, moche. Donc, vous avez la première partie là, agressif. Les hommes qui prennent ça, ils sont très très agressifs, ou les femmes secondaires utilisant la stéroïde androgène sont les plus mêmes, déclenchant dans les réactions comportement. Vous avez un comportement très très méchant et très agressif. Et donc, en décision qu'il prendra seront sûrement néfastes pour lui-même, potentiel les autres. Vous allez procurer un danger pour tout le monde. Vous allez être très très méchant. Et donc après, vous avez aussi choc anaphylactif. Donc ça veut dire le choc anaphylactif, réaction allergique grave ou due à la présence d'une protéine non acceptée. Donc la stéroïde, le corps humain, sûrement, lorsque un individu souffre d'une allergie comme le médicament anabolisant, les piqûres alimentaires. Ça peut être très très grave, ça peut être potentiellement mortel. Vous pouvez carrément crever pour cette merde-là, Zabi. Donc, anabolisant congénital. Stéroïdes anabolisants peuvent avoir un impact sur les nouveau-nés. Une femme ou ne doit pas utiliser des stéroïdes. Ah oui, c'est coagulation du sang. Utilisant la stéroïde anabolisant augmente la tension. Congestion signifie qu'une personne prendra des stéroïdes. Donc, ça va être une mauvaise circulation de sang. Provoque des désagissements, il faut tenir en compte sur l'opération chirurgicale prévue accidentellement intervient. Donc vous pouvez avoir des sacrées conséquences. Maladies cardiovasculaires. La stéroïde peuvent impact sur la cholestérol, augmenter le taux de hormone, le HDL, le bon cholestérol, car il peut pour supprimer les dépôts de cholestérol. Mauvais cholestérol. L'effet inversé contribuant à la communication des gras et parois de l'artère. Là, vous allez avoir un gros problème. Gynécomastie. Donc, ça peut à se faire hormone l'estrogène, récepteur de poitrine et stimulation croissance stimulant les mammaires. Cela pour conduire la croissance tissu autour du mamelon. Perte de cheveux. L'utilisation de la stéroïde anabolisant peuvent avoir des impacts sur la croissance capillaire, terme médical. Là, vous allez perdre pas mal de cheveux. Hypertension. Les athlètes, ils en prennent. Vous allez faire carrément de la rétention d'eau et vous allez être pas bien. Ça peut être un gros danger. Système immunitaire. La stéroïde impact sur le système immunitaire à l'athlète. Donc, à côté, vous allez être sensible aux maladies, bactéries ou d'autres stéroïdes peuvent engendrer les défaillances, défenses naturelles immunitaires, notamment les lymphocytes. Donc, vous avez aussi les reins. Vous allez prendre un gros coup au rein. Vous pouvez avoir une tumeur la tuite. Ouais, vous pouvez choper une tumeur et directement bye bye. Le foie.
Contraire au niveau du foie avéré avec les composés de C17 alpha. Certains conduire gravement au problème de cancer de foie peuvent s'avérer mortels. Hospitalité également, les soucis seuls déclenchant les sollicitations importantes des fonctions hépatiques B du foie également été notées. Élargissement de la prostate. L'endoscopie est presque effet secondaire continu pour conséquence augmenter le volume de la prostate seule provoque entre autres des difficultés à uriner, compliquées principalement dépendant des hormones androgènes. Voilà, vous allez avoir un petit chichi biloute, après vous allez pleurer. Donc prenez pas ces merdes-là, ça sert à rien du tout. Déjà, vous foutez du fric, écoutez pas les putains de vendeurs de rêves de merde. C'est vraiment des vendeurs de merde, ça, qui cherchent que à vous endoctriner. Donc, écoutez Batman Fitness de la vérité. Écoutez Fitness Classique 2.0. Écoutez Joe Musculataire. Écoutez MC Légende le Marseillais. Mike Flat Training. Ceux-là, ce sont des gars qui sont honnêtes avec vous. Et d'autres YouTubeurs qui sont honnêtes. Sinon, les trois quarts, c'est que de la merde. C'est des vendeurs de rêves. Ils veulent juste vous attirer de l'argent. Bon, je vous laisse. I want a two biceps. Allez, bye bye.